J'ai pris cette photo dans un bidonville au sud de Dhaka, la capitale du Bangladesh, en novembre 2019. Nous sommes ici dans un des cubes, comme les habitants les appellent. Ce sont ces habitations d'environ 10 mètres carrés qui hébergent toute la famille et qui peuvent abriter jusqu'à 6 voire même 8 personnes. Comme on peut l'apercevoir sur la photo, le lit occupe la majorité de l'espace et fait à la fois office de table, d'espace de jeu, de lieu de travail et évidemment aussi de couchage pour la nuit. J'ai rencontré Gouri, qu'on voit ici avec sa fille, car elle fait partie des habitants du bidonville qui aident Solidarité Internationale à appliquer les règles d'hygiène de base sur le terrain au jour le jour. Gouri vit sans son mari, elle élève sa fille toute seule, elle travaille tous les jours de la semaine pour un salaire dérisoire, mais elle prend quand même le temps de participer à l'éducation de toute la communauté pour améliorer leurs conditions de vie et aussi pour donner un meilleur avenir à sa fille. J'ai rencontré beaucoup de situations similaires dans les bidonvilles à travers le monde, mais cette femme et sa fille m'ont particulièrement touché, par leur simplicité et par le courage qu'elles ont d'aller de l'avant et d'aider les autres malgré leur situation déjà difficile.